tonight. We can find some place to go. Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est KiritokNight064, j'espère que vous allez bien. On est là aujourd'hui pour un nouvel épisode de test du raton laveur, et aujourd'hui on va vous tester Sonic Force. C'est sorti le 7 novembre 2017, c'est édité par Sega. Les développeurs sont comme d'habitude la Sonic Team. Le compositeur est Tomoya Otani, c'est lui qui s'occupe de la musique donc. C'est sorti sur Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC. Et la licence Sonic est un petit peu coup de cœur pour moi, donc je rappelle que ce test est purement subjectif. Allez, on est parti! Côté scénario, Sonic Force se veut un peu plus sérieux que ses prédécesseurs. On n'a pas eu un scénario aussi mature, je crois, depuis Sonic Unleashed, si je ne dis pas de bêtises. Le Dr. Eggman, après avoir capturé Sonic et l'avoir torturé pendant 6 mois, a pris le contrôle total, ou presque, de la planète. Le but de la résistance menée par Knuckles est donc de libérer Sonic et de renverser la situation. Voilà grosso modo le topo du jeu. Alors concrètement, ça pourrait être très très bien, ce scénario un petit peu mature, si le personnage de Sonic n'était pas toujours aussi fidèle à lui-même en fait. Il est toujours désinvolte comme d'habitude, se fiche un petit peu de tout et fait des commentaires et des blagues à tout va, ce qui casse un petit peu la crédibilité du scénario que le jeu veut nous raconter en fait. C'est ça le petit problème. Mais sinon, le tout est plutôt cohérent. Le Dr. Eggman n'est plus machiavélique que jamais et il a enfin appris de ses erreurs du passé, et ça fait plaisir de le voir à la tête de la planète. Quant au nouveau méchant, Infinity, eh bien, il s'avère que c'est un personnage assez sympathique en fait, mais je trouve pas assez travaillé pour ma part. Dommage, vraiment dommage. Du côté du contenu, maintenant, nous avons un éditeur d'avatar que vous voyez à l'écran qui permet donc de créer son propre personnage de l'univers de Sonic qui est plutôt bien fichu. Donc vous pouvez choisir donc le sexe, la race, vous voyez à l'écran, chien, loup, lapin, ours, chat, oiseau ou hérisson. Vous pouvez lui mettre divers costumes, après vous avez la couleur de peau, la couleur des poils, les chaussures, les gants. Là vous ne le voyez pas parce que c'est une création d'avatar basique, mais plus tard vous pouvez lui mettre après des vêtements, des chapeaux, des casquettes, des lunettes, bref. Vous pouvez vraiment faire un petit peu n'importe quoi, l'éditeur est vraiment très poussé, vous pouvez choisir également les voix, les poses. Toujours côté contenu, le jeu propose une trentaine de stages, ce qui est pas mal, c'est raisonnable. Une trentaine de stages. Le petit problème, c'est qu'ils sont plus courts qu'à l'habitude. Ils sont plus courts et en plus, ils sont plus faciles. Il y a également quelques petits stages bonus, comme d'habitude. Traverser par exemple un niveau où toutes les plateformes du niveau s'effondrent après votre passage, ce qui demande d'être rapide et précis, par exemple. Ensuite, nous avons trois gameplays distincts. Donc, je reviendrai plus tard sur le gameplay, mais bon, vous avez toujours Sonic moderne et son gameplay basé sur la vitesse pure et le boost. Classique Sonic, qui a été un petit peu amélioré par rapport à Sonic Generation. Bon, on est loin du Sonic Mania encore, mais c'est un peu mieux du côté de ce Sonic 3D. Et enfin, l'avatar qui pour moi est la bonne surprise du jeu, qui a un gameplay qui ressemble un petit peu à Sonic moderne. Le boost en moins bien sûr, parce qu'il ne court pas aussi vite. Mais les bonnes idées sont là, notamment grâce à son arme, le Wispon, qui permet donc d'utiliser les pouvoirs des Wisps de Sonic Color. Mais contrairement à ce dernier, vous ne pouvez utiliser qu'un seul pouvoir de Wisp à chaque fois que vous explorez un niveau. Et comme tous les Wisps sont présents sur le niveau, ça vous obligera à refaire le niveau plusieurs fois si vous voulez en trouver tous les secrets. C'est bien pensé d'un côté.
Mais bon, c'est peut-être une manière un petit peu détournée de se faire de la fausse durée de vie également. Vous avez également toujours les petites étoiles rouges à trouver lors des stages, voilà, si vous voulez vous amuser à collecter tout ça. Ensuite, à chaque fois que vous réussissez un stage, vous gagnez des vêtements pour votre avatar. Si vous le réussissez avec le rang S, vous en gagnez davantage. Il y a également des missions quotidiennes, bon, c'est assez ridicule, hein. Par exemple, utiliser le boost avec Sonic, faire un pacoté avec Sonic, utiliser le grappin ou le wispon de flamme avec votre avatar. Si vous remplissez une de ces conditions, vous gagnez également des tenues supplémentaires pour votre avatar. Qu'est-ce que je peux éventuellement dire sur le contenu? Je crois avoir fait le tour. Bon, l'épisode Shadow est disponible également en DLC. En ce qui concerne à lui, bon, c'est pas la folie non plus. Il y a trois niveaux inédits pour Shadow. Et sinon, vous avez également la possibilité, après avoir terminé ce dernier et l'histoire du jeu, de pouvoir utiliser Shadow dans tous les niveaux de Sonic moderne, du jeu de base. Donc ça fait un petit peu plaisir de revoir notre beau Ténébreux dans ce jeu enfin jouable. Parce que bon, ça fait quand même quelques épisodes qu'on ne se paye que Sonic. Je ne ferai pas mention de Sonic Boom, qui pour moi n'est pas vraiment un... C'est pas un jeu Sonic de la série principale, quoi. C'est vrai, c'est un spin-off, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que je peux éventuellement rajouter sur le contenu? Je crois avoir fait le tour. 30 stages, 3 gameplays différents, la création d'avatars extrêmement poussée. Vous pouvez vraiment faire pas mal de choses. T'as les chaussures de Sonic. Voilà, les pouvoirs des Wisps qui sont limités à un seul par niveau. Donc il faudra penser à changer de Wispon à plus si vous voulez refaire le niveau différemment avec votre avatar. Seul l'avatar peut utiliser le pouvoir des Wisps. Sonic moderne, lui, peut utiliser le Wisp normal pour son boost. Parce que oui, le boost a changé. Maintenant, vous ne pouvez plus utiliser le boost à l'infini en ramassant des anneaux comme dans les épisodes précédents. On est plus proche d'un Sonic Colors. Dans lequel ben il faut utiliser donc le Wisp blanc, les capsules de Wisp blanc pour utiliser le boost de Sonic. C'est pas mal de limiter ce truc parce que le boost de Sonic est quand même abusé. Le truc c'est qu'il est encore plus abusé malgré tout dans ce jeu parce que ils l'ont limité à l'utilisation, mais il est beaucoup plus puissant. J'y reviendrai sur la partie gameplay. Voilà, bon je vous laisse avec la création complète de cet avatar et je vous retrouve pour le prochain point du jeu d'ici quelques secondes, à savoir le gameplay. Et là le bât blesse. Bon, on va commencer avec Sonic moderne. Alors concrètement, ben, Sonic moderne n'a pas changé des masses depuis l'épisode Unleashed. Hein. Unleashed Colors Génération. Franchement, c'est le même gameplay à base de boost et bon, on commence à avoir l'habitude. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, on recommence. Ouais, ça commence bien. Je suis pas le meilleur joueur de Sonic, vous êtes prévenu. Alors oui, il n'a pas changé, c'est ce que je voulais dire. Vous pouvez toujours sauter, double saut avec croix, vous pouvez faire un homing attack quand le curseur vert apparaît à l'écran. On va récupérer l'anneau rouge. Hein. Là, c'est parti. Voilà, quand le curseur vert apparaît, hop, vous pouvez rappuyer sur croix et faire un homing attack. Il y a toujours le piétinement, c'est-à-dire saut et rond. On est sur PS4, hein, je tiens à le rappeler. Saut et rond pour le piétinement, ça n'a pas changé. Pour écraser tout ce qu'il y a au sol quoi. Qu'est-ce que j'oublie? Il y a les pas sur le côté, bien sûr, les pas rapides. Je n'ai pas trouvé de dérapage. Sonic n'a pas l'air capable de faire de dérapage dans ce jeu. Qu'est-ce que je peux éventuellement rajouter dessus? Le boost, il faut qu'on parle du boost. Le boost a été changé. On est plus sur quelque chose de... Comme Sonic Colors par exemple. Autrefois, vous ramassiez des anneaux et vous avez du boost. Ce n'est plus le cas.
les anneaux ne remplissent plus la jauge de boost. Il vous faut des capsules de Wisp blanc, comme dans Sonic Colors. Ce sont les Wisps qui remplissent la jauge de boost. Concrètement, ça limite beaucoup l'utilisation de ce dernier. Pourquoi ? Ben parce que vous ne pouvez plus utiliser le boost du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Le piétinement, voilà, il est toujours là. Ah là là, mais quel boulet. Vous ne pouvez plus donc utiliser le boost du début jusqu'à la fin d'un niveau. Par contre, en contrepartie, comme si ça ne suffisait pas, il est carrément plus puissant. Il est complètement pété. Et Sonic est en quelque sorte, on va dire, sur des rails en fait, tout simplement. Vous appuyez sur carré, vous n'avez plus rien à faire tellement le boost est devenu tellement puissant en fait. La petite phase Star Wars, petit clin d'œil. Donc oui, le boost est carrément devenu complètement pété. Il y a quelques QTE là à faire. Hop. Voilà, donc c'est pas que vous n'avez plus le contrôle de Sonic, c'est qu'en fait vous n'avez plus rien à faire à part foncer à toute allure et déplacer vite fait Sonic. Quand vous utilisez le boost, il n'y a plus aucune difficulté. Wow, quoi, vous foncez et voilà quoi. Vous êtes sûr d'avoir gagné le niveau. Et ben voilà, on est arrivé, il n'y a plus qu'à tracer. Je pense que j'ai fait le tour de toute façon de Sonic moderne. Il n'y a plus grand chose à dire dessus. Donc on va passer à la petite bête noire dont tout le monde a peur. C'est Classic Sonic. Et la comparaison avec Sonic Mania va être inévitable. Classic Sonic, il est de retour. C'était censé faire plaisir aux fans. Mais le problème c'est que après ce qui s'est passé avec l'épisode Génération, avec un Sonic lourd comme une enclume dans ce dernier, on avait peur de son retour dans ce Sonic Force. Rassurez-vous, il est plus maniable que dans Génération, il est plus léger, c'est déjà beaucoup mieux. Par contre, on est loin du gameplay de Sonic Mania, clairement. Sonic Mania c'était du génie, c'était les sensations de l'époque avec quelques nouveautés, c'était un game design adapté à la petite bestiole bleue. Là, non. Clairement non. On est mieux que dans Génération. Sonic est moins lourd. Et attention, moins, j'ai pas dit plus. Il est un peu moins lourd que dans Sonic Génération. Mais il l'est toujours un petit peu. Côté nouveauté, bon, il se déplace. Il peut utiliser son spin dash. Maintenant, il peut utiliser le spin dash directement après un saut. C'est-à-dire que quand il saute, vous appuyez sur la touche spin dash et direct au sol, il peut lancer son spin dash sans temps mort. Il n'a plus de homing attack. Dans Génération, souvenez-vous, il y avait la possibilité de lui mettre le homing attack. Là, ce n'est plus le cas. On retrouve vraiment un Sonic classique à l'ancienne. Et je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire sur Classic Sonic, en fait. Voilà. Un point que je n'ai pas abordé, c'est qu'il n'y a plus le système de vie. Ceci est valable pour tous les gameplays. C'est-à-dire que quand vous perdez, vous ne perdez plus de vie. Ça, il n'y a plus. Vous perdez, c'est raté. Il n'y a pas de game over. Vous retournez à votre dernier point de sauvegarde jusqu'à ce que vous réussissiez en fait à passer l'étape. Il n'y a pas, c'est impossible de faire un game over quoi. C'est ça que je veux dire. Il faut que je parle aussi du game design de Sonic classique qui n'est pas adapté à la vitesse de la bestiole. Et c'est un petit peu dommage. Voilà, j'ai fait le tour de Sonic classique. Donc on va pouvoir passer à l'avatar. L'avatar. Alors l'avatar, c'est un gameplay, un tout nouveau gameplay qui a intrigué pas mal de choses, pas mal de monde. Mais en fait il est similaire à Sonic moderne, le boost en moins bien sûr. Voyez, l'avatar en fait concrètement, vous pouvez utiliser le homing attack. Il a le homing attack mais c'est pas tout à fait la même chose. L'avatar est équipé d'un grappin. Ce faisant, ce grappin, il saute une première fois, il agrippe l'ennemi et il lui fonce dessus. C'est le même principe que l'homing attack. Il peut s'en servir, comme ici, hop, pour pouvoir prendre des petits raccourcis. Il est également équipé d'un Wispon. Le Wispon, c'est une arme qui utilise le pouvoir des Wisps. Seulement, il ne peut utiliser qu'un seul type de Wispon. Ici, c'est le Wispon électrique, ce qui me permet d'utiliser par exemple Light Dash, qu'utilisait Sonic dans les épisodes précédents. Mais non, Sonic ne peut plus le faire, c'est l'avatar quand il a un Wisp jaune. Voilà, j'ai récupéré un Wisp rouge, par exemple. Je ne peux pas utiliser son pouvoir. Pourquoi ? Parce que j'ai le Wispon jaune.
Donc je ne peux utiliser que les pouvoirs des wisps jaunes. Si je voulais utiliser les wisps rouges, le wisp vert qu'on vient de voir à l'instant, j'aurais dû m'équiper soit d'un wispon ben, rouge ou soit d'un wispon vert. Ce qui obligera le joueur à faire plusieurs fois le même niveau équipé d'une arme à wisp, donc le wispon, différente à chaque fois. Côté gameplay, ben, l'avatar peut donc utiliser son grappin, faire des pas rapides par côté, utiliser les pouvoirs du wispon. Donc il y a tous les wisps de Sonic Color, hein, mais Sonic ne peut plus les utiliser. C'est une... C'est réservé à l'avatar maintenant. Qu'est-ce que je peux éventuellement dire de plus? Le grappin, les Wispon, il n'a pas de boost. Et son gameplay est assez proche de Sonic moderne. Mais du coup, il est légèrement plus lent. Attention, il a le boost uniquement quand il fait équipe avec Sonic. Je reviendrai là-dessus parce que c'est une quatrième forme de gameplay qui n'en est pas vraiment une. Inspirée de Sonic Heroes. On va y revenir juste après ça, mais je pense que j'ai fait le tour avec l'avatar, donc on va passer donc à ce quatrième et dernier gameplay. C'était pas là qu'on était censé atterrir. Nous y voilà, on va commencer par un double turbo. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. L'avatar peut utiliser le turbo uniquement quand il fait équipe avec Sonic. Nous sommes donc dans le quatrième gameplay, à savoir les stages en équipe où l'avatar fait équipe avec Sonic moderne. Alors concrètement, ces stages, qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien de spécial côté gameplay de neuf en fait. Vous alternez entre Sonic moderne et l'avatar. Il n'y a cependant pas de touche pour changer de personnage. Ce sont des actions automatiques. Par exemple, le fouet là que j'utilise, électrique, ça me fait passer sur l'avatar. Si j'appuie sur L2, j'utiliserai le fouet, donc j'utiliserai l'avatar. Si j'appuie sur les homing attack, notez que du coup j'ai switché sur Sonic. Voilà, j'ai réutilisé le fouet, je suis repassé sur l'avatar. Voilà. Si j'utilise le turbo, je re-switcherai sur Sonic par exemple avec la touche carré. C'est du switch automatique. La touche L2 vous donne l'avatar. La touche carré et deux fois croix vous donne Sonic. Il y en a peut-être d'autres, je ne me souviens plus exactement, mais c'est comme ça que vous switchez d'un personnage à l'autre. On va s'occuper d'eux. Franchement, l'ambiance est plutôt top. Vous aurez reconnu le niveau où on était, j'espère. Hein. Sonic Heroes, acte 2. Stage 2, monde numéro 2, grande métropolis. Oui, parce que Sonic Force reprend quand même pas mal de niveaux des précédents Sonic. Ah, faut que je vous parle aussi de la durée de vie. Si je le fais pas, je vais me faire taper sur les doigts. Et là, franchement, c'est le bas blesse, quoi. C'est vraiment dommage. Sans me presser. Je dis bien sans me presser. En prenant mon temps dans les niveaux, en cherchant les petites étoiles rouges, tout ça. Comptez quoi, 5 heures, pas plus. Oui, 5 heures, la trame principale en ligne droite, en farfouillant un peu, en prenant le temps et en regardant les cinématiques. Quoi. Donc quelqu'un qui rush, qui passe tout et qui fonce, je pense qu'il pourra terminer ce jeu en quoi? Allez, à peine 3 heures, peut-être un peu plus. Faut pas déconner non plus. Sega, je sais pas ce que vous avez foutu là, mais niveau durée de vie, c'est court. Et pourtant, c'est dommage parce qu'on en redemande, le scénario est bien ficelé, bien foutu. Sega, c'est vraiment dommage, on reste sur notre faim. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le double gameplay. Donc on va passer au troisième point du test, à savoir la bande-son. En ce qui concerne la bande-son, on va parler déjà du doublage. Les voix sont de qualité dans un petit peu toutes les langues, à savoir l'anglais, le français, l'italien, l'allemand, l'espagnol ou le japonais. C'est bien sûr sous-titré également dans toutes ces langues, vous pouvez paramétrer ça dans les options. Il y a également du portugais et il y a une autre langue, j'ai pas su la décrypter celle-là. Bref, il y a du choix. Côté bruitage, franchement c'est vachement convaincant, les explosions, les collisions, tout ça. Et les musiques, probablement le gros point fort du jeu, mais pas pour tout le monde.
On va commencer par Sonic Moderne, dont les musiques sont correctes, pas forcément super inspirées, mais un son en rythme avec la vitesse d'animation qui nous est foutue à l'écran, c'est vraiment pas mal. Classique Sonic, petite déception à ce côté-là. Alors oui, le côté rétro du personnage est respecté, on a bien des musiques vraiment rétro, mais franchement pas très inspirées. Faut pas se le cacher, elles sont correctes, on a vu pire, mais on a vu beaucoup mieux également, notamment dans Génération où les reprises étaient vachement bien foutues, là ce n'est pas le cas. La petite pépite nous vient de l'Avatar. Toutes les musiques des stages de l'Avatar sont chantées, vous en avez une justement qui tourne par derrière, en fond de ce niveau. Franchement, l'Avatar a vraiment la meilleure OST de tout le jeu pour ma part. C'est dynamique, ça chante, c'est fluide, c'est franchement agréable à l'écoute. Et le thème principal, le Man's Aim First Bump, franchement c'est une tuerie celui-là aussi. On est loin du niveau des chansons de Crush 40, mais franchement c'est agréable à l'écoute. Bref, un bon point sur la bande son. Côté graphisme, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est très très beau, c'est très coloré, comme dans Lost World, oui c'est ça. C'est fluide également, et là où le jeu frappe fort, c'est que c'est, malgré tout ce qu'il y a à l'écran, même le turbo, la vitesse d'animation, tout ce qui se passe à l'écran, ça reste beau et fluide en toutes circonstances, c'est du 60 FPS, c'est... Sur PS4 en tout cas, c'est super bien maîtrisé. J'ai cru comprendre que la version Switch avait quelques problèmes de framerate et la version PC souffrait de quelques bugs. Sega doit déployer un patch prochainement. Mais franchement, sur PS4 et Xbox One, c'est vraiment une tuerie. Une tuerie, ça a aucun problème, ça ne ralentit, c'est fluide, c'est beau, c'est... Je me suis l'air merdé là, c'est pas possible. C'est magnifique. Franchement, un petit bijou technologique en fait, pour afficher autant de détails de graphisme, et franchement là, côté graphisme, je lui mets la note maximale sans hésiter. C'est dommage que les animations soient un petit peu rigides pour les personnages, mais c'est sûrement dû à un manque de moyens, peut-être un manque de budget, je ne sais pas. Franchement, côté graphisme, je suis carrément convaincu. Je vais t'apprendre la terreur, la douleur, et ensuite, eh bien, au moins la terreur et la douleur cesseront. Bon, ce n'est pas le Sonic ultime qu'on attendait, il faut pas se le cacher, mais ça reste un jeu honnête. Probablement le meilleur Sonic qu'on ait eu depuis Sonic Unleashed en fait. Et ça, pour Sega, c'est vraiment quelque chose de pas mal. Et peut-être que ça peut engager de l'espoir pour l'avenir de la licence. On l'espère. En tout cas, j'ai vraiment apprécié ce Sonic Force. Je vous laisse avec la note.